Bonjour à tous, Sakuris, on se retrouve sur Odyssée avec un Alexios à moitié à poil. Oui, bon bah écoutez, hein, c'est pour le plaisir des yeux. Non, c'est le meilleur matos que j'ai, mais il n'empêche que... Alors, on était en train de traquer... C'est marrant le vautour qui passe. On était en train de traquer notre Elpenor. Notre fameux Elpenor qui nous avait faussé compagnie après qu'on lui demandait de régler... qu'on lui demandait des comptes. Et il est normalement dans cette base-là. Elpenor. La cible, la cible, la cible. Il y a du monde, il y a du monde. On va en chier. Oui. Ah, il y a un passage souterrain là-bas. C'est bon à savoir. Et il y a... Ouais. Bon. Ah. Ah oui, c'est vrai qu'on peut voir. Alors, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait entre-temps, parce que du coup, j'ai fait deux, trois petits trucs. Là, c'est un hoplite. J'essaie de trouver si on voit Elpenor, mais non, je pense qu'il va pas être situé comme ça. Faut que je reprenne la quête, peut-être. Là. Je le vois maintenant. Voilà, il est là. Ok, on l'a. Du coup, je vous explique un peu ce que j'ai fait. J'ai découvert une grosse partie de la zone, hein, du coup. J'ai fait une bonne partie de la zone. J'ai débloqué certains endroits que j'ai fait entièrement, hein, sans... Voilà. Il y a cette vallée où je n'ai pas tout fait parce que j'ai vu des choses extrêmement intéressantes et je veux les faire avec vous. Je pense qu'on va faire toute cette partie-là dans un épisode. D'un autre côté, j'ai ça. J'ai vu qu'il y avait a priori des champs de bataille disponibles ici, hein, à voir. Il faudrait que je vois ça. Ça peut être intéressant. Donc soit on a deux champs de bataille différents. On a un normal et un difficile, ok. Et on a cette grosse patate là qui est le sanglier de Calydon. Donc je pense que ça va être un très très gros trophée derrière. Hein. Donc je pense que ça nous fera un autre épisode. Hein. Ça, on fera sur. Bon, on fera peut-être les deux dans le même épisode, on verra. Et j'ai plein de quêtes qui sont disponibles. Donc j'ai sans équipage ici. J'ai vu qu'il y en avait une là. Les filles d'Artémis ici. Et là, je n'ai qu'un ombre. Et la sinécure de Photios ici. Sachant que j'ai. Bon, les quêtes de tableau d'affichage, je les fais directement sans vous. Il n'y a pas. Y a pas grand chose. J'ai fait ce... Tiens, j'ai ce lieu que j'ai pas encore découvert. Ok, et ben écoutez, on va aller essayer d'assassiner Elpenor tranquillement. Je suppose qu'il va falloir valider l'assassinat, donc je vais pas pouvoir me contenter de le faire à distance. Hein. Je vais devoir le faire intelligemment. Et ça, vous savez que c'est pas mon fort en général. Hein. Alors, il y a d'être en hauteur. Doit rester hors de vue. C'est lui? C'est l'air d'être lui, hein. Mais je ne peux pas lui tirer dessus. On va descendre là. Assez rapidement pendant qu'il n'y a personne. Merde. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Non, fais pas ça. Je monte. Monte sur cette tente. Merci. Ok, il faut qu'on arrive là-bas. Ou qu'on le tue directement. Merde, il a un garde juste là. Ils sont énormément. J'ai envie de bloquer le truc de... Le truc de renfort en premier lieu. Je peux pas te tuer, hein. Ah si, je peux. Et bon, il y aura le garde devant lui. Je vais être obligé de... Tac. Normalement, personne ne devrait le voir.
Ah, il est en train de s'en aller, attendez. Ce qui me semblait aussi. Ça ne m'étonne pas. El Pino, ça lâche. Top là. Je ne fais que passer. Pardon. On va se... On lira ça après, hein. Alors, la lettre dit, tu le prétendu messager des dieux, cette fois, j'attends des nouvelles de ta réussite dans la grotte située dans les ruines du... Du serpent dans la vallée du serpent. Bah c'est parfait, c'est l'endroit où je voulais vous amener. C'est pas beau ça? Alors. Tac. C'est bon, y'a plus personne. Bon, j'ai foutu mon bordel, mais j'ai réussi ma mission. Bon, j'ai... Hein, c'était subtil. C'était joli, hein, j'ai trouvé. Ça va? Non, vous avez pas envie de monter? Non, ça vous dit pas plus que ça, hein. Bah ouais, je comprends. Ok, bon, ça c'est fait. Du coup, oui, j'ai aussi un peu, vous voyez, j'ai un peu diminué la vue, la puissance par certains zones. Ouh, ça fatigue. Bah écoutez, je vais peut-être aller tuer l'animal légendaire, on va tenter ça. Parce que la vallée du serpent, ça nous prendra bien un épisode, je pense. On va aller voir là, déjà. Allez, on va aller voir ce que c'est là-bas. Et la vallée du serpent, ça nous prendra un épisode, je pense, donc on ira... D'accord. Oui, ah oui, cette monture. C'est juste une monture. Ok, c'était cadeau. Ok, bon bah écoutez, on dit pas non, hein, des cadeaux comme ça, j'en veux tous les jours. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, la monture. En fait, c'est juste une monture qui coûtait pas bien cher que j'ai pris, mais que je trouve pas exceptionnelle. Donc, je vous laisse un peu là. On va jouer un peu avec aujourd'hui. Ouais. Je sais pas ce que c'était qui nous a aggro. Alors, entre-temps, j'ai croisé des ours. Ils sont tellement beaux. Ouais, entre temps j'ai croisé des ours à certains camps. D'accord. Ouais bon. Le sanglier. Le camp je le ferai en dehors. Parce que c'est long. C'est extrêmement long. C'est pas que je veux pas les faire, mais c'est que c'est long. Et pour un épisode, c'est vite. Hop là. Ouais, c'était pas voulu ça en fait. Ah pardon les mecs. Ok, donc, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais arriver en plein dans le champ de bataille, vous allez voir, je vais le déclencher. Non, c'est bon. Ok, est-ce qu'on a moyen de combattre le sanglier en monture? Ça m'arrangerait, je vais pas vous mentir. Mais je crois que c'est en hauteur. Ah, peut-être. Peut-être moyen, hein. Oh, je crois qu'on est sur la plaine. Ouais, on va pouvoir le faire en monture. Alors. C'est une espèce d'arène, hein, comme pour les... Attendez, on va essayer de voir. Oh, on peut pas le voir mieux. Opa, opa. C'est du gros cochon. C'est pas la meilleure. Je pense que c'est pas la. Ah oui, c'est pas un sanglier normal hein, par contre. Vous noterez ses défenses, elles sont particulières. Hein. Elles sont un peu préhistoriques. Bon, le fait est que c'est pas censé être un sanglier normal. Hein, donc, là. Hop là. Ok, rapide. Ok, rapide. Ok, rapide. Ok, rapide. Bon, mon cheval va me servir à rien. Hein. Wouah, il fait super mal et je lui fais que dalle.
ça va être long. Alors, ça a l'air d'être un peu à la mode des... Hop là. Des boss du dernier DLC d'origine. Je sais pas si vous avez regardé ces vidéos-là, mais c'est un peu le même style de boss. C'est-à-dire boss qui est plein de vie et qu'il faut réussir à capter dans son mouvement. Hop là. Je pense que lui foutre un coup de pied dans le cul, ça va pas lui faire grand chose. Mais on essaye, hein. Je garde toujours au moins une barre d'adrénaline pour me heal, en fait. Je me suis dit j'entends d'autres sangliers mais j'ai pas capté. D'accord, donc il appelle les copains à lui. Nickel. Non, raté. Oups là, bah, il fallait un Kimé. Raté. On va éviter de rester devant. Faut vraiment que je me débarrasse de ses potes parce que... Ah mais il en rappelle non-stop. Oh bon sang. Ça va être l'enfer. Oula, oula, il m'a bien chargé là. Bon, je pense qu'il va falloir s'occuper de lui uniquement et tiens. Ah, il fait super mal. Hop là, raté. Ouf. Je récupère le cul en même temps, hein. J'ai tout à fait le temps de dépecer, effectivement. Oh, il a pas aimé. Hop là. Et tolo. Donc ouais, il a toujours au moins deux compatriotes, donc ça sert à rien de l'en débarrasser. On va régénérer un petit peu. Alors, me voir courir en esquivant des sangliers, c'est peut-être pas le plus passionnant, hein. Mais je me régène parce que je me méfie de cette bestiole. Ah bah voilà. Les sangliers, c'est de la sale bête. Et oui, ceci était un message dédicacé. Je sais que tu regarderas la vidéo. Oula, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Ah non, ça fait trop là. Ça fait trop, ça fait trop, ça fait trop. Ça fait trop. Non. Je sais pas si j'en ai eu un seul, mais on aura essayé. Hein. Et j'ai plus... Ah bon sang, j'ai plus...
Oh non, j'ai dit que je gardais de quoi me heal. C'est compliqué là, ça devient très compliqué, je vous avoue. Il faut que je puisse me healer très vite, là. Faut que je me débarrasse d'un de ces cochons. Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Non mais avance! Bon, ça y est, normalement il est revenu à deux cochons. On devrait plus avoir le souci. Hop là! Voilà. On voudra pas, je récupère la peau de ton camarade, hein. Oh, bon sang, mais ils sont infernaux. Est-ce que j'aurai deux secondes de répit si j'en tue un? C'est même pas sûr. Oula! Ah putain! Désolé. Mais... Hey, il rappelle pas d'amis là. Non, c'est pas du tout ce que je veux faire. C'est pas le moment. Du tout, du tout. Non, mais... Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à enlever la... Ah bah il a l'air fin, tiens, comme ça. J'ai pas réussi à enlever la... La visée. Ouais, non, je galère. Allez, bah je le refais, hein. La garde sera vigilante ici. On va essayer de garder le cheval le plus longtemps possible, mais à mon avis, ce sera pas long. Hein. Ouais, c'est... J'ai même pas le temps de... Mais bouge! En fait, je pense qu'il faut l'avoir au poison parce que du coup, même quand on n'est pas en train de le taper, il perd de la vie. Ah, c'est là qu'il appelle ses potes. Opa. Ouais, non, c'est pas la peine. Oula. Bon, par contre, j'ai essayé de mettre le poison, il a pas voulu le mettre. Hein, et ça m'embête, ça. Voilà. C'est pas de c'est fait. Ah.
rappelle direct. Ouais, il les a rappelés, je les entends. Non ? Mince. Hop là. Oula. Bon, si j'arrive pas à le tuer là, je vous passerai là. Jusqu'à ce que j'y arrive. Comme j'ai fait avec les boss. Non! Bon, on va fuir. Faut que j'en élimine un ou deux au moins. Et là. Bon, et ben on va courir. Ah oh, mince, il m'a piétiné quoi. Bon, et ben écoutez, je continue, j'enregistre, mais je vous mettrai que la version où j'arrive enfin à lui mettre une tarte dans la gueule en vous disant combien de fois j'ai mis, hein. C'est plus marrant. Allez, à tout de suite. Cet endroit sera en alerte. Oh, wow. Wow.
Hop là.
Je l'ai eu. Oui. Pouf. Ça fut compliqué, mais je l'ai eu. Impressionnant. Pour quelqu'un qui empeste la civilisation. Oh. Et quelle odeur a-t-elle, la civilisation? Celle du sang et de la peur. Pourtant, tu as vaincu cette bête. Ça a été facile, cette bête a été un adversaire. Oh, oui. À certains moments, j'ai cru perdre l'avantage. Ça a été un honneur d'affronter une telle bête. J'ignore pourquoi, mais Artemis a visiblement guidé ta main. Je fais ce que j'ai à faire. Rien de plus, rien de moins. Je suis Talia, des filles d'Artemis. Tiens. Notre supérieure, Daphnae, est à la recherche de quelqu'un. Tu pourrais être cette personne. Tu veux la rencontrer? Pourquoi pas? J'irai voir Daphnae. Tu la trouveras au temple d'Artemis, en Phokis. Choisis un autre chemin, voyageur. Il y a du danger plus loin. Oh bah oui, j'ai vu, ouais. Une créature dépassant l'entendement des mortels règne sur cette terre. Ah, j'étais censé la croiser avant, je pense. J'espère que tu as de quoi payer le passeur. J'étais censé la croiser avant. Bon, et bah écoutez, je pense que ça va largement nous faire l'épisode. Tiens. Et je trouvais aussi qu'il bougeait encore, le bestiau. Écoute, voilà. Je vais pas te laisser agoniser comme ça. J'aurais pu le dresser si j'avais la compétence, mais les sangliers, je crois pas qu'ils y soient. Bon, bah tant pis. En tout cas, je tremble. C'était un bon épisode. Allez, bah écoutez, je vous dis à bientôt.